Hier que du mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te parler de la deuxième partie du haul du mois de janvier. Donc si la suite t'intéresse. Pour cette vidéo haul, je vais commencer par les goodies car pour une fois, oui il y en a et pour une fois surtout, je pense à te les inclure dans cette vidéo quand c'est des goodies qui ont rapport avec cette chaîne. C'est d'habitude, j'oublie complètement et je l'avoue. Donc je vais commencer par les goodies, après on continuera avec les mangas, à savoir qu'il n'y a que deux shoujo et après principalement du yaoi 16+ et, 18, et du hentai, donc c'est carrément du 18+. Donc je mets dans cet ordre là les goodies avant pour que tu puisses, si tu es un peu plus jeune, voir les goodies avant et quitter la vidéo quand ça ne correspond plus à ton âge si tu es quelqu'un de raisonnable. Après ça, moi ça ne me regarde pas, mais au moins en tant que grand frère j'ai fait les bonnes choses. A savoir que cette vidéo haul sera aussi différente de d'habitude, tout simplement parce que cette vidéo haul va être un test par rapport à peut-être la prochaine façon de présenter mes hauls. Je vais utiliser cette vidéo haul comme essai. Je vais faire la façon dont j'ai pensé récemment par rapport à vos commentaires sur la vidéo Exprime-toi. Et justement, je compte sur vous pour me dire si ça vous convient ou pas. Est-ce qu'il y a des petites choses à modifier pour que ça corresponde mieux à vos envies, etc, etc. Donc je compte sur vous. On va commencer avec les goodies et on va commencer avec une peluche qui est tout à fait assortie à mon rouge à lèvres, même si je ne l'ai pas fait exprès. Et j'ai acheté tout simplement la peluche de Givrali, donc voilà le petit tag. Pour ceux qui veulent savoir, les peluches Pokémon, personnellement je les trouve soit à Leclerc, soit dans les Carrefour, soit dans les Auchan. Voilà, donc celle-ci vient d'un Carrefour. Et petite anecdote, tout simplement prochainement, alors pas dans le mois de février, je pense pas, mais tout début mars. Mais je compte poster une vidéo où je regroupe tout simplement toutes les peluches Pokémon que j'ai pu acheter pendant l'année 2017. Et j'en ai acheté quand même 16. On continue et surtout termine la catégorie goodies avec l'achat de deux Funko Pop que j'ai fait. Donc j'ai acheté cette pop là de Gudetama. Donc j'ai acheté deux pop de Gudetama. C'était les deux seuls que j'ai trouvé. Donc je sais pas s'il y en a d'autres. Voilà à quoi elle ressemble. Et voilà l'arrière, donc c'est dommage l'arrière, on n'a pas les illustrations comme d'habitude pour nous dire tout ce qui est dans la collection. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait dans la collection Sanrio parce que j'ai très envie de m'intéresser au pop tout simplement de Sanrio, Hello Kitty, tout ça tout ça. Voici la deuxième, donc on voit Gudetama avec une tranche de bacon sur les épaules. Donc j'ai trouvé juste trop mignonne, voilà, tout simplement. On attaque avec les mangas et le premier shoujo sur les deux, j'ai acheté tout simplement un manga des éditions Soleil et c'est le manga, alors je sais pas du tout comment se dit le deuxième mot, Kokoro Buton, Bouton, parce que quand je vois des boutons partout je me dis que c'est peut-être Bouton et que, enfin bref, toujours est-il que j'ai pris ce manga. La série est terminée en France et au Japon depuis un petit moment. Nous sommes sur une série qui est assez mignonne, alors à savoir que je la possédais déjà avant d'acheter celui-ci, le tome 1, le tome 2 et le tome 6. Ouais, j'avais acheté carrément le tome 6, on va savoir pourquoi. Toujours est-il que je possédais déjà les premiers tomes. Je te présente ce manga début février, voilà, dans la collection Saint-Valentin de février. Et pour ce qui est du manga, j'ai acheté donc le tome 3 à Amazon, donc en neuf. Et dans ce que je n'ai pas reçu, je crois que je l'ai dit pendant l'intro que je n'avais pas tout reçu, j'ai commandé via Gilbert Joseph, donc je vais le recevoir dans la fin de la semaine, le tome 4, 5 et 7 de la série. Et après je commanderai la suite bien entendu si ça me plaît ou pas. Pour ce qui est du coup de laquelle... Pour ce qui est de la qualité du dessin, je pense que tu auras vu dans les images, mais je t'ai mis bien entendu les illustrations du tome 1 pour éviter le spoil. On enchaîne avec le dernier shoujo de la vidéo et c'est le shoujo Spiritual Princess, un manga terminé au Japon en 12 tomes mais toujours en cours en France. On vient de commencer à voir la série d'ailleurs et bien entendu ce manga fera la fin d'une vidéo crash test dès que le tome 2 sera sorti. Donc je te mets bien entendu toutes les informations à côté de moi pour avoir plus de détails. Donc voilà en ce qui concerne le manga. On continue et on passe à la catégorie yaoi où j'ai clairement pété un câble monumental car j'ai acheté carrément 9 yaoi. Un des éditions Daifu et donc 8 des éditions Boss Love. Et je vais te présenter ça du coup tout de suite. On commence avec le premier yaoi qui est donc celui des éditions Taifu, qui est le manga Je pense à toi. Donc je dois t'avouer qu'au niveau déjà de l'illustration de la jaquette plus le titre, ils m'ont vraiment convaincu au niveau de l'achat, même si le résumé après m'a plu. Mais c'est vrai que l'illustration de la jaquette plus le titre
me plaisait énormément, surtout que je pense à toi, c'était un titre très très beau et je trouvais qu'il pouvait correspondre à ma collection Saint-Valentin, même si la vidéo finalement sortira le 17 février. Je m'en excuse pour ça, mais voilà, j'ai pas pu faire mieux et je te présente du coup très rapidement ce manga. On passe donc maintenant aux 8 yaoi de Bozo et je vais un petit peu t'expliquer en fait ce qui s'est passé et pourquoi j'ai autant craqué, sachant que j'ai quand même quelques yaoi d'avance à la maison. Tout simplement, déjà j'ai commandé les nouveautés de Bozo qui m'intéressaient. Bon, j'ai pas pu acheter tout au niveau du budget, ça ne passait pas, je n'ai pas pu acheter tous les yaoi qui me plaisaient des sorties de janvier. Donc j'ai fait ma commande, tu l'as bien vu lors de la première partie que je n'avais pas encore reçu ces fameux yaoi, car tout simplement Bozo avait entre-temps reculé leur date. Ça, ils sont doués pour bouger leur date, ceux-là. À savoir donc que j'ai commandé, j'attendais ma commande, et comme je voyais que je n'allais toujours pas recevoir mes titres, alors que les vendredis se rapprochaient, hein, forcément quand tu finis un vendredi, il y en a un autre qui arrive très vite. J'ai donc passé une commande sur Amazon pour être livrée le lendemain et j'ai commandé en fait les titres qui étaient sortis en novembre que je n'avais pas pu m'acheter. Et j'ai commandé donc les titres de novembre qui sont arrivés aussi pendant fin du mois de janvier, ce qui explique en fait que je me retrouve avec 8 yaoi de Bozo. Voilà. Donc, on va avoir le manga Nouveau Départ qui est un yaoi. Je tiens à préciser par contre que ça, c'est un yaoi âge conseillé 14 ans et plus, car on n'a aucune scène charnelle. À savoir aussi que ce manga, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, donc je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien de la vidéo. Donc, je ne t'en dis pas plus. On continue avec le deuxième yaoi de Boss Love et on va être avec. Je suppose que ça se dit Mods, moi je l'appelle Mods et voilà. À savoir du coup que ce manga, je te le présente vendredi cette semaine-là. Oui, cette semaine. Donc là, aujourd'hui où tu vois la vidéo, on est mercredi. Jeudi, tu as vidéo planning et vendredi, tu as la vidéo présentation de ce yaoi. Eh oui. Donc voilà, à savoir que l'auteur a écrit une autre que j'ai aussi achetée, par contre je te la présente un peu plus tard. Je te la présente pas du tout dans le mois de février, je te la présenterai un peu plus tard. Parce que j'ai voulu tout simplement espacer la présentation des deux titres, même si d'habitude j'ai tendance à te présenter les titres à l'affilée. Voilà. On va donc passer maintenant au yaoi à Hate You Sensei. Donc voilà le manga. Donc bah, j'ai craqué tout simplement parce que l'histoire, la qualité des jaquettes, etc. me plaisait tout simplement. Donc je suis désolée, je suis pas du tout habituée à faire comme ça au niveau des vidéos haul, donc je suis forcément un petit peu perturbée. On va voir le manga, on entend le cri sans que l'on voit ses larmes, corbeau sous la pluie, titre bien à rallonge. Voilà. Donc ça je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Pareil pour I Hate You Sensei que je n'ai pas encore lu. On continue avec un titre en anglais, donc je vais essayer The Secret of Me and My Boss, qui a l'air plutôt pas mal. On continue avec, je vais tenter hein, la prononciation, Flavor. Donc c'est marqué entre flic, yakuza, sexe à gogo et magouille en tout genre, l'amour trouvera-t-il sa place, à moins qu'il n'ait toujours été présent depuis le début. On enchaîne avec le deuxième manga du mangaka de Mox qui est I Hate. Donc si je me trompe pas, je dois te le présenter dans le mois de mars.
On termine côté yaoi avec le prochain titre que moi je vais lire donc le jour où tu vois la vidéo, en fait je l'aurais lu ce matin. Donc n'hésite pas à me dire si je me trompe au niveau de la prononciation, je vais essayer de voir sinon si Google Trad me dit comment ça se prononce correctement. Mais The Dog on the Wedding Moon, voilà, j'ai trouvé l'illustration géniale et le résumé avait l'air juste au top, donc j'ai foncé tout simplement. On termine la vidéo avec le seul hentai que j'ai acheté, un hentai des éditions Hot Manga, et c'est My Good Boy. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter, pourquoi pas la partager. N'hésite pas à me dire si tu préfères cette version-là, si carrément je fais l'intro, l'outro et la présentation des goodies face caméra et que la présentation des mangas ce soit que du face table et par contre tu ne me verras pas. Ou si cette version là t'a parfaitement convenu. Mais voilà, à savoir que moi honnêtement quand ça sera face table je gagne du temps au niveau de la partie où je filme. Je vais mettre forcément moins de temps quand je ferai que du face table que si je fais ça. Forcément, mais voilà, après c'est... Je veux juste avoir votre avis par contre. C'est très important pour moi parce que justement là je suis complètement perdue sur comment je dois faire mes hauls. Et forcément c'est quelque chose qui me tracasse, sachant que YouTube est mon occupation de tous les jours. Je le dis au cas où, mais je n'ai pas de travail pour pas mal de raisons. Principalement ma dépression qui fait que je ne peux pas avoir de travail. Donc forcément YouTube est mon occupation de tous les jours. Donc forcément si je suis pas serein ça va me stresser. Si je suis stressée ça me bloque ma perte de poids. Et si ma perte de poids alors que là actuellement je suis en train de bien perdre. Si ma perte de poids stagne et ben forcément le moral il va baisser. Et voilà, donc ça engendre beaucoup de choses. Donc aide-moi s'il te plaît et dis-moi ce que tu veux. Si tu as réussi à commenter une fois pour me donner ton avis sur la vidéo, exprime-toi. Je pense que tu peux aussi me redonner un avis ici pour me guider, pour m'aider surtout. Voilà, et je veux aussi faire quelque chose qui vous convienne. Moi personnellement, que ce soit la première version de haul que je faisais par exemple l'an dernier, que ça soit ça ou que ça soit la version uniquement table et compagnie, moi ça me dérangera absolument pas, ça je tiens à le préciser au cas où, voilà. Et n'hésite surtout pas à aller voir les vidéos que je t'aurais mis en recommandation et pense à aller t'abonner soit sur ma chaîne ou soit aller voir mon autre chaîne. Sur ce, à bientôt.